Yo tout le monde, c'est Gonza TV pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on se retrouve pour la suite du défi triple élixir. Dans la première vidéo, on avait fait un combat et un combat et une défaite, malheureusement. Donc là, je vais changer mon deck. Je vais prendre un deck bien pour le triple élixir. Donc voilà. Et on se retrouve quand j'ai fini mon deck. Voilà. Et on se retrouve, voilà mon deck qui coûte 5.0. Donc il est bien enrichi, on peut dire. Donc je joue triple mousquetaire, PK géant, cimetière, TDE, tour de l'enfer. Boule de feu armée de squelettes et zap électrocution. Donc j'allais appuyer pour faire combat. Donc défi triple élixir, on y va. Donc on se retrouve en fin de combat. Il a déjà commencé à jouer. Moi, je vais mettre ma boule de feu. Allez, je mets mon triple, ma triple mes triples mousquetaires. Allez. Allez, je vais jouer ma TDE pour le géant. Ah là, viens là, petit. Allez. Je mets mon géant devant. Pour comme ça, ça attaque pas. Je mets mon PK derrière. Je mets ma boule de feu. Je mets encore des triples mousquetaires. C'est trop chaud. Je mets mon cimetière. Oh my god, il a plus rien. Je mets mon géant. Je vais commencer à contre-attaquer. À attaquer de l'autre côté. Allez, je mets l'autre PK. Je mets la TDE juste pour l'énerver. Allez, 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 allez. Allez, recharge élixir, recharge. Je vais remettre mes triples mousquetaires là. Allez, 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 allez. Et on a gagné. Avec ce deck, voilà, comme vous avez vu, ça allait vite. Je peux le dire. Donc allez. On va refaire un combat. Comme celui-là, il est allé vite. Allez, go. Je vais jouer contre un niveau 8. Il est plus bas niveau que moi, mais ça veut pas dire le potentiel. Allez. Je mets déjà la boule de feu là. Parce que je sais qu'il va mettre un truc. Oh non! Je l'ai gaspillé pour rien. Et peut-être on va voir la tour. Peut-être. Non, presque. Je vais mettre mon cimetière défensif. Et ma TDE de l'autre côté. Là, je vais mettre mon géant pour les barbares d'élite. Il a clonage. Allez, on va. Voilà, pour la Valkyrie. Là, je mets mon cimetière. Boum, on a la tour. Là, je mets mon autre TDE. Là, je mets mon géant. Allez, en contre-attaque. Je mets ma boule de feu sur le sorcier de glace. Et le sorcier. Allez, on y va. Allez, attaque. Allez, géant. Allez, armée de squelette. Ah non, y a la Valkyrie. Zut. Je mets ma tour dans l'enfer, je m'en fous. Je mets mon cimetière, c'est pas grave. Je mets ma boule de feu parce que je sais qu'il va mettre un truc. Oh. Et boum, on a gagné encore un combat. Et allez, on va faire encore un combat. Deux victoires, une défaite. Ça allait. On va juste faire un combat pour avoir le coffre à couronne. On va récupérer. Juste pour avoir le coffre à couronne. Et allez, on y va.
Je mets mon géant derrière la tour. Je mets la triple mousquetaire derrière le géant. Et la boule de feu. Fais chier. Je vais mettre ma boule de feu pour le sorcier. Allez, je mets direct derrière. Allez, tape. Allez, allez, allez. Oui, voilà. Que là maintenant. Je vais mettre ma boule de feu pour le sorcier. Boum. Que là, j'ai mis mon PK. Là, ça va pas être difficile de gagner. Puisqu'il a TDE. Donc là, ça va faire TDE contre TDE. On va voir c'est qui va gagner. Allez, je vais mettre le triple mousquetaire. Allez, allez. Je vais mettre ma boule de feu. Je mets mon cimetière là. Je mets la TDE là. Je mets ma boule de feu là. Et boum! 1-0. Une couronne. Donc là, je vais mettre ma triple mousquetaire défensif. Là, je vais mettre la TDE ici. Je sais pas si ça va taper dans la tour, si. Là, on va mettre ma boule de feu. Mon PK, il va venir ici. Ma TDE, elle va venir ici. Mon zap ici. Mon géant ici. Là, je suis obligé de défendre à mort. Donc là, je vais mettre. Ah non, il a boule de feu. Là, je mets ma TDE. Je mets boule de feu. Oh non, il a la boule de feu. Oh non. Oh non! Allez, on fait le tout pour tout. Non, c'est bon, on a perdu. Et c'est encore une défaite. Donc ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, lâchez un like. Explosez-moi cette barre de like. Commentez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'était Konza TV. Excusez-moi, on va juste ouvrir le coffre à couronne. Alors 2 gemmes, 17 barbares, 17 gobelins à lance, électrocution, Valkyrie. Donc 466 pièces, or quoi. 2 gemmes, 17 barbares, 17 gobelins à lance, 23 électrocution et 7 Valkyrie. Allez, à une prochaine vidéo. Ciao!